Ton pronostic pour le Masters? Tiger Woods. Tu crois qu'il va jouer? Ouais. Il va tous les mettre à l'envers. Ok, merci Adrien. Mon pronostic pour le Masters? Bubba Watson. C'est vrai? Ouais, Bubba Watson, c'est un parcours, je pense, pour le coup, qui est fait quand même pas mal pour lui. C'est un gaucher. Voilà, il faut, je pense, c'est un parcours qu'il faut jouer plutôt en draw pour les droitiers et en fade pour les gauchers. Lui, il tape pas mal en fade, il tape très fort. On a pu voir l'année dernière qu'il était quand même pas mal avantagé. Donc voilà, s'il est dans une bonne semaine, à mon avis, il sera pas loin de la gagne. Peut-être Mickelson aussi. Et après, voilà, McIlroy qui est quand même hyper présent depuis 6 mois, qui fait vraiment des bons résultats. Donc ça va être un bon tournoi. Alors, mon pronostic, le vainqueur ou les 3 premiers? Le vainqueur, le McIlroy. Vainqueur. Et ouais. Après, je mettrai en 2 Victor et en 3 un Dustin Johnson. D'accord, merci. Voilà. C'est difficile, il y a Bubba Watson qui joue quand même bien cette année. Il a gagné déjà 2 fois. Rory joue très bien aussi. Je vais quand même dire Bubba Watson, mais ça me fait un peu mal au cœur. Et Tiger, non? Non, je pense pas. J'aimerais bien, mais je pense pas. Ok, merci Cyril. Bubba, rien. Ah bon? Pourquoi? C'est fait pour lui. Ok, merci Mike. Plaisir.